la Hollande a déposé les armes. L'armée belge vient de capituler. L'armée allemande avance. Plus de 500 000 soldats se sont rendus. Jeanne d'Arc pleure récit. Non, les gars, il n'y a pas des nouvelles du 110e dans le coin? Non. Allez, non. Vous n'auriez pas des nouvelles du 110e par hasard? 110e? Viens avec moi. Thank you.
soit ensemble. Ça nous a permis d'avoir des relations avec les Allemands que j'entretiens toujours. Alors, je pense que c'est vrai qu'en Allemagne, on a la chance d'avoir la détaxe. Que ce soit en matériel de vidéo, papier de cigarette, torture. Pour nous. Au sein des compagnies, soit en compagnie de combat ou en compagnie de service, on a quand même des chambres, des infrastructures qui nous permettent de faire pas mal de choses. Tout est quasiment neuf et assez moderne. L'opportunité de faire un mois de stage de tir et technique d'intervention opérationnelle. Donc c'était très bien, ça m'a permis de m'épanouir dans les arts martiaux. J'ai changé de branche, actuellement je suis secrétaire comptable. Et puis, ça permet de toucher un peu à tout, ça change. Au 5e régiment d'infanterie, j'ai pu effectuer trois missions extérieures en ex-Yougoslavie. Une mission de courte durée en Guyane et une mission de courte durée en Afrique, Côte d'Ivoire. Ça m'a ouvert d'autres horizons vers le métier professionnel de militaire. Quoi. Ça m'a permis de voyager également, notamment en Amérique du Sud, comme mon camarade, et vers la Yougoslavie. On a pu voir les gens là-bas, comment ils vivaient, ce que la guerre a fait de ces gens, quoi, de ces populations. En 95, le régiment est parti en mission extérieure à Sarajevo. Ça m'a donné une motivation sur l'armée. C'est une mission qui nous a apporté énormément sur le plan humain, moral. Il a fallu être très très fort. La population en ex-Yougoslavie, que ce soit serbe ou bosniaque à l'époque, on leur apportait tout ce qui était habits, alimentation, du soutien, du coup, enfin, de l'aide humanitaire, une bonne relation. Il y aurait eu des moments chauds, émouvants, et des moments de lassitude aussi. Mais ça apporte pour chaque personne une expérience personnelle qui marque toute une vie. Une carrière de militaire qui est rentrée. Alors lors des missions extérieures, on a l'occasion quand même de faire des choses assez intéressantes, des choses qu'on ne fait pas dans le civil, comme l'héliportage par exemple, l'héliportage de véhicules également, en posant des véhicules sur un point et puis de faire embarquer un groupe. En plus, nous, au 110, on a l'occasion de travailler en étroite collaboration avec nos camarades allemands. Et puis il faut savoir qu'on est un des seuls régiments existe à pouvoir travailler avec les étrangers, quoi. Comme on appartient à la brigade franco-allemande, qui est le régiment fer de lance de l'armée européenne. On a quand même des choses très intéressantes à faire avec nos camarades allemands, aussi bien au niveau matériel qu'humain. Utiliser leur matériel, l'armement, les véhicules, partir en manœuvre avec eux, que de passer 40 soirées sur le terrain. Constamment à 100 mètres, une maison isolée qui a été prise à partie.
Va-t'en vite à la maison de ta mère, dit attends.